l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas assise devant une caméra pour pouvoir vous parler. Et aujourd'hui, tu vois, c'est encore les vacances, c'est encore l'été, on profite et tout, une petite vidéo pour pouvoir parler entre vous et moi, parce que j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous partager. Et quel est le meilleur moyen que de le dire en vidéo YouTube? Vous le savez, depuis maintenant 4 ans, ça fait 4 ans. Oh, les gars, ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube, un truc de ouf. Il y a 4 ans, j'ai commencé YouTube à faire des mini-skates, à faire des différences entre la France et le Québec, parce que je suis française et je vis au Canada. Et tranquillement, doucement, j'ai voulu expérimenter plein d'expériences sociales. Aller dans la rue, à la rencontre des gens, pouvoir vraiment tester la réaction que les gens ont face à diverses situations. Rappelez-vous, je me suis déguisée en Barbie. J'ai testé la vie d'une femme enceinte pendant 72 heures. J'ai été dans l'armée canadienne à passer plus de 24 heures avec eux. Bref, toutes sortes d'expériences les plus what the fuck et les plus loufoques. D'ailleurs, si vous ne faites toujours pas partie de la famille, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Je vois que vous êtes encore beaucoup à regarder des vidéos et à n'être toujours pas abonné. Ça fait clairement une différence. Ça prend quelques secondes pour vous, pour m'encourager, pour me soutenir, etc. Donc les amis, merci à toutes les personnes qui rejoignent l'aventure et qui permettent de pouvoir faire de ce rêve une réalité, tu vois. Aujourd'hui, je réponds aux questions les plus what the fuck, les plus perspicaces et les plus intrusives d'entre elles pour pouvoir vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, que vous soyez au courant. Pourquoi j'ai été absente de YouTube, pourquoi j'ai privé des vacances, pourquoi je n'ai pas téléchargé de vidéos régulièrement ces derniers mois. Bref, je vais tout vous dire, tout vous expliquer. Vous êtes curieux, très curieux, très très curieux. Selon toi, quelle est ta meilleure qualité? C'est jamais aussi facile que ce qu'on pense. Déjà, un de mes défauts, c'est que je parle trop vite et j'articule pas. Alors ça, laisse tomber. Genre, je suis toujours là à parler. Même quand moi je parle, je me comprends pas des fois. Mais je pense qu'une de mes plus grandes qualités, j'arrive pas à parler, c'est l'enfer. Je pense qu'une de mes plus grandes qualités, c'est la générosité. Je suis quelqu'un d'extrêmement généreuse avec les gens que j'aime, avec les gens tout court, avec les gens que j'aime pas aussi. C'est quand le moment où t'as eu le plus peur? C'est clairement quand je me suis retrouvée en haut d'un pont, accrochée avec un élastique, bien sûr, mais où j'ai dû sauter. Vous m'avez mis au défi de pouvoir affronter ma plus grande peur et c'était clairement le saut dans le vide. As-tu de futurs gros projets seul ou avec d'autres youtubeurs? Oui les gars, avec mon équipe, avec mes agents, on est en train de travailler sur des formats vidéo qui impliquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeurs. J'ai super hâte qu'on puisse tourner plein de choses. Je vous le dis, c'était une année un petit peu bizarre. L'année dernière, bang, tout le monde le sait, début 2020, Covid, j'avais plein de vidéos, de contenus qui étaient prévus. Avec le confinement, ça a été quand même assez difficile de pouvoir tester la réaction des gens dans la rue parce qu'il n'y avait plus personne. Les rues, ça ressemblait à ça, c'était désertique au complet. Au final, on a dû s'adapter, on a dû changer un petit peu. Sachez aussi que tester la réaction des gens dans la rue avec un masque, bah sérieusement, tu vois pas vraiment la réaction des gens, tu vois, c'est quand même assez compliqué. Donc il y a encore plein d'idées de vidéos qui sont sur la glace, qui sont en stand-by. Ça a été une année 2020 super belle quand même malgré les circonstances, mais un petit peu compliqué au niveau de la programmation, au niveau des contenus qui étaient prévus. Et donc on a dû s'adapter et vous avez été hyper réceptifs. J'ai commencé à tester des astuces que je trouvais sur internet, à tester des TikTok, etc. Vous avez adoré ça, vous avez été super réceptifs à ça et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Vous êtes au taquet les gars, vous êtes tout simplement incroyables. On est plus de 2 millions de personnes à avoir rejoint la famille en 4 ans, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Grâce à ça, je peux concrétiser des projets qui sont ouf. L'année dernière, j'ai lancé ma marque en fin d'année, Electric Sugar, une marque de vêtements unisex. Il y a plein de nouvelles collections, il y a encore des belles collaborations. Donc je vous invite à aller visiter le site de Electric Sugar qui se trouve directement en barre de description. Sachez aussi, pour ceux qui ont manqué l'annonce, les mannequins sont des abonnés, tout simplement. Donc moi, l'objectif avec Electric Sugar, c'est vraiment de pouvoir vous emmener en voyage, de pouvoir vous faire vivre des expériences incroyables aussi. Donc bref, abonnez-vous, juste pour ça, abonnez-vous. Les amis, cet été, c'est un gros été. Pourquoi? J'ai pris des vacances pour la première fois en 4 ans. Wouhou! Donc ça va vous le dire, pas de vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question, mais elle est où Denise? Qu'est-ce qu'elle fait Tata Dédé? Tata Dédé, elle était en vacances. Et vous savez quoi? Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances, que je me suis pas arrêtée de télécharger des vidéos toutes les semaines. Là, j'ai pris des vacances. Bang! Malade, direct. J'avais pas le Covid, j'ai fait des tests, c'était pas le Covid. Mais alors les gars, j'étais au Mexique avec les plus belles plages. Et on peut se le dire que genre j'avais 38 de fièvre, quoi, tu vois. J'étais au bout de ma vie. Une photo là de moi au Mexique à l'heure actuelle. Yes. Mais surtout ça a été un super gros été. Pourquoi? Parce que ça a été le lancement d'une chose que je n'ai jamais fait auparavant. Un agenda. Et un agenda pour pouvoir vous aider à vous organiser. L'agenda se trouve juste ici.
Je suis super contente parce que je le trouve hyper beau, je le trouve magnifique. Merci en fait aux éditions First de m'avoir soutenue, d'avoir cru en mon projet tout simplement. Toutes les illustrations ont été faites par une illustratrice incroyable, Manon Bucarelli, qui fait un travail tout simplement de dingue. Pour moi, je voulais directement qu'on puisse enlever ma gueule justement et que chaque personne puisse se l'approprier. C'est vraiment un agenda qui va permettre autant aux jeunes professionnels, aux étudiants, de pouvoir s'organiser tout au long de l'année et d'avoir surtout beaucoup de fun, beaucoup de délire et beaucoup de positivité au quotidien. Et vraiment dans cet agenda, je l'ai travaillé tout au long de l'année dernière. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour, toute ma passion, toutes mes tripes, toute ma positivité et tous les conseils que j'avais aussi pour pouvoir s'organiser du mieux qu'on peut durant toute une année. On retrouve des défis tous les jours à faire pour prendre soin de vous. J'ai utilisé des techniques un petit peu psychologiques pour arriver à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Vous allez voir, il y a plein de surprises à l'intérieur. Donc les amis, pour pouvoir retrouver l'agenda, il se trouve dans toutes les librairies et dans toutes les grandes surfaces en France, en Belgique, un petit peu partout en Europe, mais en fait dans toutes les librairies francophones à l'étranger, vous pouvez le commander. C'est pas un agenda pourri, tu vois, c'est mon agenda. Et surtout de pouvoir écrire sur du papier, sur de la matière, ça permet au cerveau de retenir plus facilement les choses. Vous le saviez? Eh bien non, des défilos aujourd'hui, là toujours là pour vous donner des excellents conseils. Et surtout les amis, sur mon Instagram, je fais gagner 15 agendas, donc vous pouvez aller participer sous la dernière publication, directement sur mon Instagram qui se trouve en barre de description. Il y en a 15 à gagner, donc faites vite, ça va partir vite. Tu aurais kiffé t'appeler comment? PS, ton agenda est incroyable, merci beaucoup Mathilde. Pour moi, si j'avais eu le choix d'un nom, j'ai jamais vraiment aimé Delphine comme prénom, je trouve ça long, je trouve ça... compliqué en être. Mais si j'avais eu un autre prénom à choisir, j'aurais voulu Noémie. Je sais pas pourquoi, je trouve ça court, cool, original. Noémie, Tata Nono. Yes. Est-ce que tu vas bien? YouTube, c'est un milieu de travail plutôt stressant et anxiogène. Est-ce que tu arrives toujours à te sentir bien et à ta place malgré ça? Quelle question de ouf. Merci de la poser. Il y a eu des hauts et des bas, les amis, je vous l'ai dit. Et YouTube, effectivement, c'est un milieu assez angoissant et anxiogène. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux amis. Moi, j'ai été extrêmement déçue par l'attitude de beaucoup de personnes dans le milieu. C'est quand même assez compliqué de pouvoir arriver à finalement trouver des gens avec lesquels on est sur la même longueur d'onde, qui font le même métier que nous. Donc, ça se peut qu'on se retrouve quand même assez isolé, seul derrière sa caméra et voilà, à toujours essayer d'être toujours positif. Des fois, ben c'est pas possible, c'est pas possible d'être tout le temps positif, toute l'année. Et là, ça a été une période quand même assez compliquée pour moi où ben, il fallait que j'arrive à pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau, de mes pensées aussi. Et je suis quelqu'un à la base extrêmement émotif, donc pour moi, si il faut que je pleure directement, pour moi, laisse tomber, je préfère ne pas tourner. Et voilà, mais là, ça va bien, ça va super bien. Et vous, est-ce que vous allez bien? Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que ça va ou pas? Est-ce que tu es en couple? Les gars, c'est revenu tellement souvent. Où est-ce qu'il est Guillaume? Est-ce que tu es en couple? Où il est Guillaume? C'est quand le mariage? C'est quand les enfants? Etc. Là... vérité, c'est que je m'étalerai pas sur le sujet, mais c'est que non, je ne suis plus en couple et c'est que oui, avec Guillaume on s'est séparés. Je pense que le travail a eu raison de notre couple, étant donné qu'on est resté 7 ans ensemble, on a travaillé ensemble, on travaille encore ensemble, on s'entend super bien, mais le problème c'est que le couple n'a pas tenu à cet affichage public aussi, n'a pas tenu à ce travail intensif qu'on a fourni depuis toutes ces années. Et actuellement, effectivement, je ne suis plus avec Guillaume depuis plusieurs mois et c'est en grande partie aussi la raison pour laquelle j'avais besoin de vacances, c'est en grande partie la raison pour laquelle j'avais besoin de pouvoir comprendre des choses moi de mon côté, où j'étais pas super joy à faire des vidéos et où ça me tentait peut-être moins d'être fausse en fait, d'avoir un sourire alors que finalement à l'intérieur de moi, ben, je vivais une séparation. Donc voilà, mais là ça va super bien et je ne suis effectivement plus en couple. Donc toutes les questions genre vis-à-vis bébé, truc, famille, oui, je veux des enfants, oui, je veux une vie de famille. Le tout, c'est d'arriver à trouver la personne avec qui faire ça. Donc, ça viendra, les gars, ça viendra. Il y a encore plein de surprises. La vie est remplie de surprises. Donc, voilouche. Hey, t'as des projets de voyage? Où pars-tu prochainement? Yeah! Les amis, je suis actuellement à Nice. Je reviens de plusieurs jours au Mexique et au Costa Rica. Ça a été incroyable, ça a été formidable. Il faisait beau, il faisait chaud malgré le fait que j'étais malade. C'était quand même super cool. Vous avez été extrêmement nombreux à avoir adoré la vidéo test que j'ai fait où j'ai réalisé le rêve de mon père. Au Bhoutan, on est parti vraiment sur le toit de l'Himalaya. On est parti dans un petit pays qui restait reclus et qui restait vraiment enfermé jusque dans les années 1980. Ils n'ont eu aucune conscience de la Seconde Guerre mondiale, rien. Genre, vraiment.
vraiment les gens, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. On a eu la chance de pouvoir aller visiter ce pays. Vous êtes nombreux à me parler de cette vidéo-là, vous avez adoré le format, vous avez adoré le concept, donc merci du plus profond de mon cœur. Et évidemment des vidéos de voyage, j'aimerais en faire aussi pour montrer à quel point la Terre est un endroit incroyable quand on part la visiter. C'est un de mes objectifs parce que si je ne voyage pas, j'ai l'impression de mourir de l'intérieur, voilà. Salut, est-ce que en mangeant, tu t'es déjà imaginé mourir étouffé? J'ai sélectionné cette question, pourquoi? Parce qu'il faut que je vous en parle. Je pense que moi, un jour, je vais pas mourir d'une crise cardiaque, je vais pas mourir d'un crash d'avion, je vais mourir étouffé. Dès que je mange un grain de riz, je suis la première... Je deviens violette, voilà. Je m'étouffe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai le trou de ma gorge qui est beaucoup trop serré. Bizarre. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Si oui, tu peux nous donner quelques exemples de jeux que tu aimes. Je suis une gameuse dans l'âme. Et d'ailleurs, il y a récemment un de mes amis qui m'a dit: Delphine, pourquoi tu ouvrirais pas une chaîne Twitch? C'est juste parce que genre, j'y ai pas pensé, parce que je me dis, tu vois, c'est compliqué, genre, j'ai jamais fait de Twitch, etc. Mais bref, j'ai joué d'ailleurs plusieurs fois avec vous sur la PlayStation, directement en ligne, en live. Je vous le disais sur Instagram de vous connecter, puis on jouait ensemble, ça c'était trop cool. Et finalement, je me dis, bah, pourquoi pas faire ça direct sur Twitch? Donc si jamais vous kifferiez que j'ai une chaîne Twitch ou que vous kifferiez me voir jouer et gamer en live directement, ben allez me rejoindre sur Twitch. Le pseudo s'affiche juste ici, Denizy, voilà, aussi simple que ça. Les gars, allez vous abonner et dans les prochains mois, ben j'aimerais pouvoir lancer mes premiers live Twitch et pouvoir gamer. Moi, je suis une fan de Red Dead Online. Allez cliquer sur tous les liens. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un ou failli tuer quelqu'un? Alors, ça peut paraître bizarre comme question, mais la réponse est oui. Et c'est pas des conneries que je vous raconte. C'était le jour de mon permis. Je venais d'avoir mon permis en poche. Je prends ma petite voiture. En fait, c'était la voiture de ma mère. Je prends la voiture de ma mère pour pouvoir conduire directement. Et étant donné que j'habitais à Nice à l'époque, je me dis, la classe, la régale, je vais aller conduire à Monaco. Pip, 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 pip. Une photo de cette journée-là, juste maintenant. D'accord, donc moi je débarque, premier jour de permis à Monaco. Il y a quelqu'un qui passe sur le passage clouté. La voiture avait comme un bout de pare-brise bizarre où je voyais pas, j'avais un angle mort. Et techniquement, je conduisais là, là j'avais un angle mort. Il y a quelqu'un qui traversait à ce moment-là, qui a mis la main sur le capot parce que j'ai failli l'écraser. Premier jour de permis, j'ai failli tuer quelqu'un, perdre mon permis, défoncer la voiture de ma mère, me faire défoncer et finir en prison. Voilà le résumé de ma vie au complet. Au final, tout va bien, la personne va bien. Je me suis arrêtée à temps, j'ai eu des bons réflexes et tout. À ne jamais refaire à la maison. Hein. Si tu devais changer une chose dans ta vie, ce serait quoi? Si j'avais quelque chose à changer dans ma vie, je pense que ce serait soit de pouvoir me téléporter, soit d'avoir un jet privé. Ça là, ça serait vraiment un changement que je trouverais genre hyper cool. Franchement, ce serait une invention de ouf, hein. Imagine, tu te désintègres. Dans la minute d'avril, t'es là. Je pense que oui. As-tu des projets musicaux en cours de réalisation? Vous le savez, début de l'année, j'ai lancé un tout premier projet musical, Diva, qui a fait plus de 6 millions de vues sur YouTube. C'est un truc de malade. Un petit extrait juste maintenant. J'ai sorti un deuxième son qu'on a réalisé en quelques heures seulement. Un petit extrait juste maintenant. Et les amis, suite à ça, appel manqué, en fait, c'est une histoire sur deux épisodes. Et oui, il y a un projet musical encore, oui, il y a un prochain clip qui arrive bientôt, les gars, yes, bien sûr. Comptes-tu refaire des meet-up plus tard? J'attends que ça. J'attends vraiment de pouvoir dédicacer des agendas, de pouvoir vraiment vous rencontrer, de pouvoir vous prendre dans les bras, ça fait tellement du bien et j'adore faire des meet-up. Donc oui, est-ce que je vais refaire des meet-up plus tard? C'est certain. Quand? Je sais pas. Comment? Je le sais pas encore. Encore là, les amis, ça dépend pas de moi malheureusement, ça dépend de ce que Emmanuel Macron et Justin Trudeau vont décider. Comment te vois-tu dans 15 ans? C'est une question à laquelle j'aime pas répondre parce que personne ne sait de quoi la vie est faite, mais pendant que j'étais malade, en train de crever sur mon lit au Mexique, je me suis posé la question, figure-toi, et la réponse c'est que je pense que j'aimerais ça être investisseur privé pour des entreprises en démarrage. Je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire? Dans 15 ans, moi je me vois bien genre investir dans vos entreprises. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, peu importe l'âge que vous avez, pour moi les plus beaux projets sont ceux qu'on réalise quand on écoute notre intuition, notre cœur, etc. Et je rêverais pouvoir offrir la chance et offrir l'opportunité à des personnes qui souhaitent se lancer en entreprise, de pouvoir avoir des prêts, de pouvoir avoir de la liquidité, de l'argent. Je pense que c'est un de mes plus gros rêves dans ma vie. C'est cool, non? Je sais pas, je trouve. On en reparlera dans 15 ans, mais
genre là, je me vois là. Si tu arrêtais YouTube, tu ferais quoi? Comme je l'ai dit, je pense que j'aimerais aider des gens à créer des entreprises. Je pense. Ou sinon, j'aimerais bien avoir genre une fondation pour sauver les chimpanzés en Afrique. Vous me retrouverez soit au bord de la rue à faire le pitre et à essayer d'aider les gens à créer des entreprises, soit dans un refuge genre en Afrique pour sauver les chimpanzés. Yes, ça c'est Tata Dédé ça. Et les amis, c'est ce qui conclut cette vidéo. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'échanger. Dites-moi si vous aimez un peu ce genre de micro-format. Je veux pouvoir peut-être passer à 2 vidéos par semaine, etc. Bref, c'est toujours un processus. Et si vous aimez ce genre de petites vidéos-là, petites FAQ, petites foires aux questions, etc. Ben, c'est le genre de choses qui me plairait grave de faire un petit peu plus souvent. En attendant, il y a des vidéos de ouf qui arrivent avec des collaborations incroyables, des très gros projets, des très très grosses vidéos, des grosses vidéos de transformation aussi dès la rentrée. Et moi, en attendant, je vous souhaite une super belle fin d'été. Surtout, la clé du succès, c'est de pouvoir s'organiser. Donc les amis, vivons notre vie sans limite. Et allez le voir au moins, juste dites-moi ce que vous en pensez. Et écrivez-moi directement sur les réseaux. Je vais essayer de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent vis-à-vis de l'agenda. Essayez de vivre le plus bel été, kiffez votre vie. Et moi, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.